Par défaut sur WhatsApp, vous ne pouvez pas enregistrer de vidéo de plus de 30 secondes dans votre story. Heureusement, il existe une astuce qui permet de contourner ce problème et qui se fait en deux temps. Dans un premier temps, vous enregistrez votre vidéo directement avec votre appareil photo, sans limitation de temps. Et dans un deuxième temps, vous allez utiliser une application que nous allons installer. Donc si vous êtes sur iPhone, vous allez sur l'App Store. Si vous êtes comme moi sur Android, vous allez sur le Play Store. Et dans la recherche, vous allez taper 30 secondes. Vous sélectionnez l'application et vous appuyez sur Installer. Et lorsque le téléchargement et l'installation de l'application est effectué, vous l'ouvrez. Sur l'écran d'accueil, vous allez appuyer sur la flèche pour continuer jusqu'à ce qu'il vous demande d'autoriser certaines permissions, et notamment l'accès à vos médias sur votre téléphone. Si l'application se ferme, vous l'ouvrez de nouveau et pour finir, vous appuyez sur cette icône. Et à partir de là, vous n'avez qu'à appuyer sur le plus, de rechercher votre vidéo que vous avez précédemment enregistrée sur votre téléphone, vous la sélectionnez, vous confirmez. De là, vous avez la possibilité de réduire la durée de votre vidéo en faisant un prédécoupage, si vous le souhaitez ou non. Et dans les deux cas, vous appuyez sur cette icône pour que l'application procède directement au découpage automatique de 30 secondes de votre vidéo et elle va vous proposer ensuite soit de la publier dans votre story ou alors de l'envoyer directement à l'un de vos contacts. On va sélectionner mon statut, on confirme et de là on arrive dans l'application WhatsApp, dans la publication de story. Et comme on peut le voir, notre vidéo de plus de 30 secondes a été divisée en plusieurs séquences de 30 secondes. Et si l'on confirme la publication et que l'on visualise ensuite notre story dans WhatsApp, on peut voir que notre vidéo de plus de 30 secondes est disponible.